Ok, on va se retrouver sur un compte Instagram que je viens de créer, même s'il a déjà un abonné ici. Du coup, j'actualise le profil pour qu'on soit sûr qu'on a effectivement les bons chiffres. C'est bon, il n'y a pas de souci, et donc on se rend sur le site easygetinsta.com à partir duquel on pourra télécharger l'application GetInsta qui nous aidera à voir nos abonnés. Vu que j'ai déjà l'appli, je vais juste l'ouvrir. Ok. Et on va créer un nouveau compte via le bouton Sign Up en bas à droite. Sur cette interface, on renseigne notre pseudo, une adresse mail valide et un mot de passe pour ce compte qui est différent de ton mot de passe Instagram, je le précise. Une fois que c'est fini, on appuie sur Sign Up. Là, je dois changer mon adresse mail. Et c'est bon, le compte est créé. On va rapidement passer cette offre. Ajouter notre vrai pseudo Instagram et on aura le petit bonus de points de l'inscription. Maintenant, pour avoir plus de points, on va essayer de cliquer sur like ici. Mais d'abord, il faudrait valider la liaison avec son compte Instagram en enregistrant cette fois son mot de passe Instagram. Donc là, mon compte est vérifié et on gagne au passage les 20 points du like qu'on a fait précédemment. On va donc continuer à liker d'autres posts et entre autres à s'abonner à d'autres comptes afin de gagner plus de points et jusqu'à ce que notre énergie dans l'application soit épuisée comme c'est le cas ici. Du coup, je vais essayer d'avoir 800 points bonus en validant mon adresse email vu que je ne l'avais pas encore fait. J'en profite d'ailleurs pour la changer avant d'entrer le code de vérification qui a été envoyé. Ok, on a reçu les 800 points en validant mon mail et donc on peut aller lancer notre campagne d'abonnement. On va choisir la plus adaptée à notre budget et cliquer sur Buy Followers Now. C'est bon, alors on ouvre l'onglet des tâches où on peut suivre l'évolution de nos campagnes. Et en attendant, on va encore gagner quelques points avec l'énergie qu'on a récupérée. La campagne est un peu avancée et on attend qu'elle s'achève pour retourner vérifier l'état de mon compte sur Instagram. Les 10 followers sont arrivés, on va de se faire réouvrir Instagram. Et constater que les 10 followers sont en effet arrivés. Il y en a même eu 3 de plus, mais bon, on ne s'en plaint pas. Qui plus est, je crois qu'il est utile de préciser que ce sont des vrais abonnés et likes, même si on n'en a pas eu jusque là, et non des bots comme dans beaucoup d'autres applications du genre. Voilà. Donc je te laisse à ton compte, à tes likes et tes abonnés tout en espérant que tu deviennes très vite très populaire. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile. C'était donc Mighty Fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou un secret Instagram si t'es abonné à la chaîne. Bye!